Ouf, ouh, là 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 là. Pause au moins de 18, hein. Il aurait quel âge? Bah, il aurait 38 ans. Ou peut-être 40 ans. Paco Mendes. C'est à ce type que le doc a loué l'appartement de Marble Street. Et si c'était lui, le tueur aux origami? Je suis prête à tout. Enfin, je crois. On va baisser un peu le son, hein, parce qu'on s'entend plus. C'est peut-être un peu mieux, là. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Eh bien, bon app, ça fait un bon app, bon app. Alors, Paco. Paco Mendes. Le type à qui le doc a prêté l'appartement où Ethan devait se trancher le doigt. Comment? Un type. Comment? À toute Elina. Pour lui poser quelques questions. J'avoue qu'Atana Zero avec cette musique. Il pourra me dire où se trouve Paco. Ouais, doc. Je ne suis pas encore remise de ma rencontre avec le doc. Le barman. Il pourra me dire où se trouve Paco. Ouais. Attendez, musique. J'ai rien contre la techno. Ouais. Mais moi en talons, je saute dans tous les sens en boîte, hein. Tout va bien se passer. Je trouve ce type, je lui pose trois questions. Faut avoir l'habitude. Et je décampe d'ici. J'ai plus l'habitude, mais avant je le faisais. Une boîte où la jet set vient pour s'amuser. Pas vraiment le genre d'endroit où je traîne d'habitude. Ouais, et... Si ce Paco est un copain du doc, je ferais bien me méfier. Vive les baskets. C'est bien les baskets, je suis d'accord. Oh, party hard. Non, 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 quand je fais ça, je me casse pas la figure. Où est le barman? Bonjour, je cherche... Ah, là-bas. C'est là-bas. Elle se fait un autre trou. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah non, on peut pas y aller. Mais non, on peut pas y aller. Madison a changé. Madison, Chouchou est terminé, merci beaucoup. Merci à vous les copains. Il faut que j'y parle. C'est impossible. Monsieur Mendes a demandé à ne pas être dérangé. Oh, c'est terrible. Désolé, c'est réservé aux invités. Alors, tu me touches pas à cet endroit-là, s'il te plaît. Hein, respecte. Alors, il faut que... La corrille de Paco ne laisse entrer personne. Il va falloir que je trouve autre chose. J'ai raté le train, coucou Sarkwan. Coucou Sarkwan, merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement, merci à toi, merci énormément, c'est trop gentil. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Oh, je sais. Allez, vas-y. On dirait que Paco apprécie les filles sexy. Ouais. Vas-y. Merci Fola Shadow pour ton follow, bienvenue à toi. Comment ça va, Sharkwan? Non, mais soin. Danse. Peut-être qu'en dansant pas loin de lui, je pourrais attirer son attention. Allez, vas-y, on va danser. Vous êtes prêts? Faut pas que je me trompe. Si je voulais jouer les allumeuses, je crois que c'est raté. Il ne m'a même pas jeté un regard. Est-ce qu'on n'irait pas aux toilettes? Je pense que ça sert à rien. Non, voilà, descends. On va aller aux toilettes. On va enlever. Là, les toilettes. Moi, je pense qu'il faut aller aux toilettes, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Halte. Pipi time. Ouais, it's pipi time. Alors. Le moment est venu de jouer la bimbo. C'est parti. Y'a quoi qui a changé?
Je me suis raté pour bouger mon cul, bah oui. Ça là. Voilà, c'est mieux. Je pense qu'il faut que tu remontes un peu ta jupe. Ou que tu la casses, si tu veux. Ouais, c'est pas mal. Peggy 18. J'ai enfin eu le chat. T'as un chat ? Oula. Ah, on est mode hype, trop cool. Pardon, j'avais pas compris. Fait sauvageonne, mais c'est ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a autre chose? Le rouge à lèvres, voilà. Très important le rouge à lèvres. Les filles qui mettent du rouge à lèvres, c'est pour... Ouais. Mais gnignigne. Allez, on y va. Tu disais... Rien du tout. Pour rouger les lèvres, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. On a une arme. On sait qu'on a une arme. Elle plante des arbres aujourd'hui, pour quoi faire? Allez, c'est bon, là on est canon. Allez. On y va. Y'a pas de nana dans les chiottes, tu sais que c'est rare. Enfin, après là on est dans un truc de jet set, à moins que tu sois allé souvent dans des trucs de jet set. Je sais pas comment ça se passe, hein. Courte la jupe, bah oui c'est le but. Allez on danse, c'est parti. On y va. Q, S, Z, D, Z, Q, S, Z, D, Z, Q. Je vais y arriver. Oh le petit twerk, oh le petit twerk. J'ai raté. Ok. Allez dégage, t'es pas assez sexy, ta robe elle était trop courte. Allez on y va. C'est parti. Ton jour de chance. Paco Mendes veut t'inviter à sa table. Mais dis donc, c'est super. Le deuxième... Bref, le deuxième pervers de la journée. Des nouvelles ici? Oui. Je pense que je t'aurais déjà remarqué, sinon. Je m'appelle Paco. Quoi? Madison. Je m'appelle Madison. Ah. J'aime beaucoup ta façon de danser, Madison. Et je te trouve aussi très sexy. Mais non, Elina, c'est pas grave. Nous pourrions peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus... privé. Oh, bien sûr, poupée. Viens, suis-moi. Allez, on suit. On dirait la voix d'Angelina Jolie, peut-être, je sais pas. Et tu vas trop vite, mec, t'es en train de courir, là. Ça va, et détends-toi. On se calme, hein, il est chaud, hein. Il est chaud du... Il va trop vite. Je me fais désirer comme ça. Salut Silence, comment vas-tu? Coucou à toi. Tout.
Je rentre, je lui fais cracher le morceau et je me tire vite fait avant qu'il ameute ses gardes. Tout va bien se passer. Ok. Ok, j'ai peur, les gars. Bien. Sois la bienvenue dans mon petit royaume. Ok. Viens de prendre la pilule bleue. Ah oui, c'est dépêché pour prendre la pilule bleue. File-moi ça. Crois-moi, on n'aura pas besoin, ma jolie. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, dessale-toi. Enlève tout ça, bébé. Vert. On pourrait peut-être prendre un verre. Juste histoire de briser la glace. En ce qui me concerne, la glace est déjà brisée. Allez. C'est quoi cette musique là? Vas-y, bouge-moi tout ça. On pourrait peut-être parler d'abord. Crois-moi, je t'ai pas fait monter pour papoter, chérie, loin de là. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. Voilà tout. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. Crois plutôt que c'est toi qui as mal compris. Oh putain! J'aime pas quand on m'entend. Alors maintenant, tu te fous à poil ou je te refroidis. Tu m'as bien compris. Vas-y, refroidis-moi! Non mais elle est trop nulle, hein! Du couture de son canapé, ouais. En attendant, jouer son jeu pour gagner du temps. Ouais. La lampe. Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'elle fait ? J'aime pas du tout cette musique en fond, elle me met mal à l'aise. Oh, non mais ça va, abuse pas. Allez. Mais quoi ? Salut Mikafou, bonjour à toi. Bébé, je crois que tu commences. On peut aller couper la musique, s'il te plaît, parce que franchement, ça me dégoûte. J'espère que vous aviez pas le son très fort et que vous écoutez ça avec des écouteurs. Maintenant, il faut le réveiller. J'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe. Oh, quelle horreur! Je reviens de ça, c'est chaud, bah oui. Allez! Ok, pourquoi elle a arrêté ? Bah, à ton avis, ce gros porc là. Si t'essaies de crier, je te descends. Pigé ? Merde. Qu'est-ce que tu me veux ? On va discuter. Un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement ? Je vois pas du tout de quoi tu parles. T'as pas le cran de me coller, Bastos. Dommage, parce que quand je t'aurais retrouvé, moi j'hésiterais pas. Ah ! Espèce de salope, j'ai crevé ! Paco ! Est-ce que tout va bien ?
Je me casse, hein. Vous permettez, je m'en vais. Moi, je suis gênée dans ce genre de moment. Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Attends, vas-y. Encore un coup. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. J'ai jamais foutu les pieds dans cette porte. J'ai filé les clés à un type. Il cherchait un endroit. Il avait de quoi payer. Ouais. Et qui le type? Non mais vas-y, on recommence. Comment il s'appelle ce type? Vas-y, il veut pas dire. Je sais plus, je le jure. Ah bah voilà. Bah oui. Il s'appelle John Shepard. Là-bas, d'un coup, tu t'en souviens. Je le jure. Oh. Ouais, tu jures un peu trop, hein. Et bah voilà, c'était pas si difficile. Bah oui, c'était pas compliqué. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi. Mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. Dès pour la boule de droite, oui. Faut qu'on se casse, faut qu'on se dépêche de partir. Il est temps que je dégage d'ici. Je commence à avoir un sérieux mal de crâne. Allez, dépêche-toi par contre, en fait. Oh, il y en a deux en bas, là, ils s'amusent, hein. Ouh. Les contrôles pour se déplacer, ils sont terribles. Ok. Ce serait cool que tu te dépêches. Ce serait vraiment cool que tu te dépêches. Non mais il va y avoir un truc. Ah non, il y a rien du tout. C'est bon, tout va bien. On rigole, ton live en plein dîner de famille avec mamie. Je suis dans un dîner avec mamie, c'est ça, Dracula? Oh bah super. Je viens voir Paco. Paco? Y'a pas de Paco ici, alors dégagez. Vous êtes absolument certain? Il est dans son bureau. Et l'escalier, là-bas. Allez, emmène-moi là-bas. On y va. Ok, donc on y va juste après. Sexy Jutsu, Super Hero Katana, je sais pas. Hein. Ah. Et toi? Ça m'a fait peur. T'avais pas entendu entrer. Oh, c'est qui? C'est une espèce de furie qui est venue me poser des questions sur l'appartement Marble Street. C'est pas ce que tu y fous exactement et je ne veux pas savoir. Et ça commence à attirer les flics des histoires. Y'a le chip? Écoute, je sais que tu m'as évité d'aller en feu. Mais cette salope a failli me tuer. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je crois que j'ai payé ma dette. Et ne déconne pas, hein. Ah. Attends, tu peux encore t'être utile. Non, ne dis pas. Oh merde. C'était mais non, mais c'était sûr. Mais oui! Mais l'autre il l'a crevé, on sait même pas où il est en plus! Mais rentre! Il est où le mec? Coucou Kayatala, comment vas-tu? Non, il s'est barré, il est où? Oh là là.
là, ça fait mal ça. Je me concentre. Il est là. Oui bah les poissons là je t'avoue que tout de suite maintenant on s'en fout un peu hein. Je sais pas où il est parti. Le type qui est venu voir Paco, il le connaissait ? Désolé, je parle pas au poulet. Écoute-moi bien, connard. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Est-ce que Paco connaissait ce type ? Oui ou non ? John. John, tout ce que je sais, vous le connaissez bien. Il faut faire quoi, le tueur ? Coucou tonton ! Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Merde, je suis dans une impasse. Ouais ? Tout ça ne m'a mené à rien. À ce rythme-là, je vais finir en pièces détachées. Cet enfoiré m'a fracassé les cervicales. Décidément, j'arrête pas de dérouiller en ce moment. Ouais. Le meurtre. Paco connaissait l'identité du tueur. C'est pour ça qu'on l'a tué. Il faisait sombre et tout est allé très vite. J'ai pas eu le temps de voir son visage. T'en veux plus cette musique ? Un suspect, on essaie de me supprimer. J'espère que ça veut dire que je suis sur la bonne piste. Oh là 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 là. S'il vous plaît, la musique moins forte là, j'en peux plus. Voilà, ils avaient vu le visage du tueur des... Du tueur des poissons. Ah, c'est peut-être pour ça aussi, Dracula. Peut-être pour ça. Non, non, mais en vrai... C'est terrible. Attends. Il y a un truc, là. Il y a mes lunettes. Est-ce qu'elles fonctionnent ? Ce serait bien de les mettre, je pense. Je pense qu'on va avoir les infos, les gars. On va avoir les infos. Alia, merci beaucoup pour les 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup, une demi-année. Merci à toi. Des gros bisous, passe une bonne journée. Vu qu'elles savent faire, ce serait con qu'elles soient pas étanches. Oui, oui, ce serait complètement con, ouais. Il faut vite les cuire avant que ça progresse. Alors, je suis pas sûre que ces poissons-là soient hyper comestibles. Il aurait pu me tuer. Ça va, ça va, et toi, Alia ? Comment vas-tu ? Mon avis, on va avoir plein de... On va avoir plein d'indices. Ok. Allez, on va essayer de faire tous les indices. Tiens, tiens. On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur. Je m'en vais de Madison bon matin. Page. Livrez le bon homme de Binks. Intéressant. Ok. Encore Madison Page. Elle a peut-être vu quelque chose ? Non. Je pense que Madison Page n'a rien vu. Là, là. Une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Ouais. Y a autre chose ou pas ? Non, y a rien. Ça, c'est quoi ? Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint. Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique. Ah. J'espère pour toi, Alia. J'espère. On dirait que le tueur cherchait quelque chose.
Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Madison Page. Ah, elle est journaliste, Madison Page. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, les gars. Un calibre 45 semi-automatique. Pas d'empreinte digitale. Ça aurait été trop simple. Là, il y a une balle. Calibre 45. Vous inquiétez pas, on vengera la mort des poissons, les copains. Je sais que vous êtes très attachés à eux. On vengera ça. La poche du tueur que j'ai déchirée pendant qu'on s'est battu. Deux reçus de la même station-service. Ouh. Intéressant. Merci, je sais, vous croyez en moi, nous allons le faire. Réfléchir. Il faut que je rentre. Je dois réfléchir à tout ça. Ok, y a rien d'autre ? Je crois qu'on a rien d'autre. Ah si, là-bas, regarde. Ça sent une odeur. Allez. Des phéromones d'orchidée. L'homme était bien le tueur aux origami. Ah ! Tu vois ? Eh bien, allons-y. Finalement, ils ont brisé la glace. Finalement, mieux, c'est vrai, ils ont brisé la glace. Ils ont brisé la glace. Ça avance bien, on se rapproche. Mais on sait que c'est John Shepard. On sait qui c'est, du coup on sait que c'est pas Ethan. Mais pourquoi Ethan avoue ses crimes? C'est ça que je comprends pas. Est-ce que ce serait pas le psy? Ce serait le... Mais non, c'est l'autre là, c'est le riche. Coucou Manu, ça va et toi? Comment vas-tu? Ça va. Le mec qui reste sans rien savoir, je sais pas du tout. Mais écoute, pour le moment, on touche du bois. On va résoudre le mystère des poissons morts. Et quand même, Lucienne, la murène. Alors, j'ai pas vu de murène lors de... Non, c'est Tibalou, pardon.